Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 23 novembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Nous continuons toujours avec le tarot Vision Quest. Et pour certains d'entre vous, ça parlera et pour d'autres, ça ne parlera pas. Soyez bien à l'aise hein, pour prendre ce qui résonne avec vous. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, j'ai pigé le père de la terre et son essence, eh bien, c'est la fiabilité, le travail et sentiment du devoir, la force, la prudence, la bonté. C'est une période de récolte, n'est-ce pas? Puisque la terre, c'est la récolte, on sème pour récolter, c'est la stabilité aussi et la discipline et parfois aussi l'entêtement. Le message intérieur, eh bien, il est important à présent de renforcer votre contact avec la terre, c'est-à-dire avec une certaine mesure d'attachement à la terre dans votre vie. Et ce contact, eh bien, vous donnera une stabilité intérieure et de la solidité. Vous savez, rien que de savoir que vous pouvez vous fier à vous-même, eh bien, cela vous donnera une nouvelle force. Et pourquoi pas porter à présent votre attention et votre fort intérieur sur vos qualités terrestres, n'est-ce pas? La manifestation extérieure. On vous invite à discerner dans quel domaine de votre vie vous avez besoin maintenant, eh bien, un peu plus d'attachement terrestre. Quel est le domaine dans votre vie? Cela vous permettra de bien accomplir maintenant le travail qui est devant vous. Vous avez besoin, pour certains d'entre vous, d'un sentiment de sécurité, d'attachement terrestre, intérieur, dans votre vie. Le travail, rien que pour le travail, eh bien, ne comporte pas beaucoup de force en lui-même. Il ne devient alors qu'une nécessité accablante. Mais cependant, le travail heureux, le travail que vous ne ressentez pas vraiment comme tel, eh bien, cela vous procure la vraie, vraie satisfaction intérieure. Il renforce ainsi la conscience de soi et votre confiance en vous-même. Sur le chemin de votre vie. Vous savez, quand vous faites un travail avec des pieds de plomb, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Mais quand vous faites un travail avec le cœur, que vous éprouvez de la satisfaction, de la joie, à ce moment-là, c'est un vrai travail. Voilà le message du Père de la Terre. On termine avec l'oracle de l'évolution. Si la vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin. Ton corps te souffle le rythme et ton cœur
te souffle la couleur. Avec qui, quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose tes conditions, tu es seul maître à bord. Wow! À vous de réfléchir, à vous de répondre à ces questions. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain avec un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain.